Un petit clin d'œil à Lady Diana, lors du concert Together at Christmas, enregistré le 8 décembre dernier et diffusé à la télévision britannique vendredi 24 décembre, Kate Middleton a ébloui les spectateurs en s'emparant du piano le temps d'une chanson. En l'abbaye de Westminster, la duchesse de Cambridge a ainsi accompagné le chanteur Tom Walker pour l'interprétation de sa chanson Ford Oz Who Can't Bear. De quoi rappeler à certains fans de la monarchie, que Lady Diana avait elle aussi des talents de musicienne, et a notamment lors d'un voyage officiel en Australie, joué quelques notes le temps d'une visite. En 1988, alors qu'elle est en déplacement avec le prince Charles, la princesse de Galles avait surpris les invités d'une école de musique à Melbourne en jouant du piano, instrument qu'elle pratiquait visiblement depuis de nombreuses années. En interprétant le concerto numéro 2 de Rachmaninov, Lady Diana avait alors prouvé qu'elle était dotée de plusieurs dons, notamment dans la musique, s'attirant l'admiration de nombreux aficionados de la monarchie. Tandis que certains n'ont pas manqué de tacler quelque peu la performance de Kate Middleton, qu'ils soupçonnent d'avoir été enregistrée à l'avance, lui permettant de se reprendre en cas d'erreur, là où Lady Diana, elle, a joué spontanément. Kate essaye à nouveau d'imiter la princesse Diana en essayant de jouer du piano. La princesse Diana jouait en fait du piano, peut-on lire parmi les commentaires sur Twitter. Kate Middleton, hôtesse attentionnée pour le concert de Noël quoi qu'il en soit, enregistré ou pas, Kate Middleton a laissé les spectateurs sous le charme, notamment le chanteur Tom Walker, très touché par cette performance en compagnie de la duchesse. Sans aucun doute, c'était une expérience unique dans une vie, a ainsi confié le chanteur, rapporte People, à propos de ce duo. Très touché par l'attention de l'épouse du prince William, l'artiste décrit ainsi une personne adorable, gentille et chaleureuse et elle a pris le temps de remercier personnellement tout le monde pour l'opportunité de jouer ensemble. C'était une journée folle pour moi, d'être dans une si belle jouée aux côtés de la duchesse avec mon groupe et un quatuor à cordes. Je ne l'oublierai certainement pas de sitôt, a-t-il admis. Loading DJ.